précédemment sur Cornet.tv, Trace de Break est dominant avec une troisième victoire en quatre courses en 2025. Oui, il a remporté le Grand Prix de Chine devant les deux voitures Red Bull, alors que la voiture de sécurité, elle, a joué en faveur de Carlos Sainz, Théo Pourchaire et Oscar Piastri. Le dépassement spectaculaire de Debrec sur Verstappen avant les pluies a sans doute marqué aussi l'imaginaire des fans de Formule 1. Mais bon, ceci est du passé alors que nous nous retrouvons à Monaco pour y vivre l'un des plus grands circuits de l'histoire de la F1. Un circuit qui ne pardonne pas et dont tout pilote rêve de remporter, spécialement un certain Charles Leclerc qui sera devant famille et amis. Il s'agit aussi de la cinquième course de la saison, marquant ainsi le mi-parcours de cette année 2025, actuellement dominée par le Québécois Trace Debrec. En parlant du classement pilote, eh bien Max Verstappen et George Russell sont à un peu plus de 35 points du leader, soit le pilote propriétaire de la Cornell Racing Team, alors que Red Bull égalise cette même écurie avec 79 points au classement constructeur. Les plus proches sont Mercedes avec 6 points de retard, alors que Ferrari et McLaren complètent le top 5. Ceci étant dit, qu'en est-il des qualifications sur ce circuit urbain de Monaco? Évidemment, piloter dans ces rues est tout un défi. C'est d'ailleurs Pierre Gasly qui, pour une quatrième course sur 5, remporte la pole position et qui espère bien enfin concrétiser sur ce beau tour. McLaren épate également avec la deuxième et troisième place, alors que Trace de Break frappe le mur et ne parvient pas à réaliser un chrono. Par chance, la voiture ne semble pas trop endommagée pour la course du dimanche. Tatiana Calderon sera donc devant son coéquipier en 19e place, alors que le favori de la foule, Charles Leclerc, n'a su faire mieux que la 5e place devant sa famille et ses amis. À sa défense, le top 10 fut extrêmement serré, avec des temps inférieurs à 5 dixièmes entre chacun d'entre eux. Carlos Sainz d'ailleurs tombe P12 et Esteban Ocon surprend avec sa 6e place. Sans plus attendre, nous voici en ce dimanche de course pour y vivre une intéressante course à Monte Carlo. Il fait une température merveilleuse avec plus de 23 degrés Celsius et un temps légèrement nuageux. Tous les yeux sont rivés vers le Français Pierre Gasly qui pourrait bien remporter sa première course avec sa nouvelle écurie Mercedes, alors que son coéquipier en quatrième position pourrait aussi sécuriser de gros points au classement constructeur. Trace de Break fera son possible pour réparer les dégâts suite à son accrochage lors du tour de qualification, mais bon, dépasser à Monaco est tout un défi en soi. Avec le tour de formation qui débute dans quelques instants, voici la grille de départ de ce Grand Prix de Monaco. Pierre Gasly, évidemment en pole position, est devancé par 24 millièmes de seconde Lando Norris, ainsi que Oscar Piastri par seulement 36 millièmes de seconde. Vraiment serré avec les McLaren dans toute une lutte pour la pole position. George Russell complète la deuxième ligne alors que Charles Leclerc et Esteban Ocon se rejoignent sur la troisième ligne. Max Verstappen et Sergio Perez complètent une ligne signée Red Bull, tout comme Aston Martin avec la ligne suivante. Pourchaire devance son coéquipier Magnussen avec la 9e place. Le reste de la grille est composé de Liam Lawson qui a surprenamment devancé le pilote Ferrari Carlos Sainz. L'Espagnol se retrouve quand même devant Yuki Tsunoda, Drugovic et Lance Stroll dans le top 15. Le fond de grille est composé de Albon, puis des deux Alfa Romeo qui ont opté pour une stratégie différente avec des gommes médiums. Zhou est devant Hülkenberg alors que Calderon, De Vries, Sargeant et De Break complète la marche. Ceci étant dit, préparez-vous pour cette course qui pourrait être l'hôte de voitures de sécurité et de drapeaux rouges. Sur ce, on se retrouve à l'extinction des feux. Et les feux s'éteignent, ça roule en ce Grand Prix de Monaco. Excellent départ du pilote Mercedes Pierre Gasly qui est devant les deux McLaren qui semblent lutter pour la deuxième position, les deux Red Bull également, mais qui a regardé à l'arrière, Trace de Break qui semble avoir eu un excellent départ. Oui, effectivement, Verstappen qui lutte contre Sergio Perez, mais oui, Trace de Break qui a remporté de nombreuses positions, il a devancé les deux Williams. Incroyable départ, j'ai très hâte de revoir la reprise vidéo de ce départ de la part du pilote québécois qui se retrouve tout juste derrière une Aston Martin. Est-ce qu'il va tenter le dive bomb? Et oui, De Break qui attaque Théo Pourchaire, le pilote français de chez Aston Martin. C'est extrêmement serré ici. Hein. Évidemment, on va sûrement avoir un drapeau jaune. Mais regardez, oh, Pourchaire qui entre en contact avec Drugovic. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui vient de se passer? Il y a un aileron de brisé. Oh, et on voit ici Calderon qui est en 21e position. C'est pas très positif pour la pilote colombienne. Mais il y a eu un... Oh, et regardez à l'arrière! Trace de Break a des ennuis. Trace de Break a une crevaison au pneu arrière droit. Oh, l'incident Drugovic-Pourchaire
nuit carrément à la course du pilote propriétaire de la CRT, alors que le drapeau jaune est encore une fois un contact. Hein, le drapeau jaune est déployé. En fait, il y a une voiture de sécurité virtuelle. On voit ici Trace de Break qui se déplace sur le côté pour laisser les autres voitures passer, alors qu'il ne peut accélérer à grande vitesse, sachant que son pneu arrière est crevé. Oh, il est en dernière position et comble de malheur, il n'y a pas de voiture de sécurité. Au contraire, le drapeau vert est lancé au petit drift avant de justement retourner dans les puits pour changer les gommes tendres. On va y aller probablement pour une stratégie tendre-gomme dure. Théo Pourchaire change évidemment son aileron avant qu'il ait été endommagé suite au contact avec Felipe Drugovich. Felipe Drugovich qui opte pour des gommes dures contrairement aux gommes médium pour le pilote français. Trace de Break également, il va pour des gommes dures. Mais bon, ça commence très mal ce Grand Prix de Monaco pour le pilote québécois. On revoit justement le départ maintenant de la vue de Pierre Gasly, le leader de la course, lui qui a obtenu la pole position. On voit derrière lui la lutte des McLaren, Lando Norris contre Oscar Piastri, c'était très chaud. Charles Leclerc, pilote qui est à la maison devant famille et amis, il réussit un excellent départ et dépasse George Russell pour la quatrième position. Il se retrouve tout près des deux voitures orangées. On voit maintenant le départ de Sergio Pérez, le Mexicain, qui a attaqué Max Verstappen par l'extérieur. Regardez ici, c'est extrêmement serré entre les deux voitures Red Bull. Et d'habitude, quand on prend l'extérieur, on a une meilleure trajectoire. Et comme de fait, il y va d'un dépassement et gagne une position. Quant à Trace de Break, lui qui était parti 22e, eh bien, waouh, quelle accélération! Et qu'est-ce qui s'est passé? Oh, qu'il a été limite avec le mur, il a presque eu contact. Il a été jusqu'à la 13e position suite à un léger duel avec la voiture As. Wow! Incroyable! On va revoir justement le départ de Felipe Drugovich qui également semble avoir gagné plusieurs points de position. Oh mon Dieu, c'est qui s'est complètement raté? C'est Théo Pourchaire, je crois. Oui, Théo Pourchaire qui s'est complètement raté, qui a donné la chance à Drugovich de réaliser justement plusieurs dépasses. Mathéo Pourchaire qui est en 9e place s'est complètement loupé lors du départ et il se retrouve en 12e place après le premier virage sur ce circuit à Monte Carlo. Triste situation pour le pilote français qui avait pourtant eu quand même une qualification respectable. Quant à Tatiana Calderon, la Colombienne malheureusement a été bloquée par ce mauvais départ du pilote d'Aston Martin. Elle se retrouve en 21e place suite au premier virage. Elle va lutter quand même du mieux qu'elle peut, mais comme vous pouvez voir, la trajectoire n'est pas idéale. Elle lutte face à la Alphatauri, mais finalement décide de reculer, de laisser la position. On revoit la reprise maintenant de l'attaque bombe de Trace de Break contre Théo Pourchaire. C'était extrêmement serré, mais tout à fait légal. Et regardez ici, Trace de Break qui doit freiner rapidement, mais Pourchaire, lui, n'a pas été en mesure d'y parvenir assez. Et là, il y a contact avec Drugovich. Aileron brisé. Et c'est là qu'il y a eu l'incident de Trace de Break, je crois. Ah oui, le pneu arrière droit. Gauche, nous allons le voir prochainement, qui a justement frappé le pneu arrière gauche, qui a frappé les débris de l'aileron de Drugovic et qui malheureusement s'est crevé pendant la séquence. On revoit la reprise ici du dive bomb de Trace de Break contre Théo Pourchaire. C'était extrêmement serré et ensuite le contact avec la voiture A, c'était inévitable. Les deux voitures voient les ailerons être endommagés, voire exploser. Sur une autre note, n'oubliez pas de vous abonner, hein, le Grand Prix de Monaco, il va y avoir de l'action aujourd'hui, alors qu'on revoit les différentes reprises de cette séquence qui a causé beaucoup de drama pour le début de la course lors du premier tour. De belles vues justement sur les incidents qui se sont produits entre Pourchaire, Drugovich et Trace de Break qui est une victime collatérale de ce qui vient de se passer. On voit justement le pneu arrière gauche complètement crevé et Trace de Break qui bloque les voitures derrière lui. Et éventuellement, il va justement s'écarter pour donner la chance aux autres de prendre leur rythme, prendre leur vitesse. On se retrouve au quatrième tour et qu'est-ce qu'il se passe? Un drapeau jaune. Oui, c'est Liam Lawson de l'écurie As qui a un problème mécanique. Il va devoir abandonner, mais ici à Monaco, c'est pas toujours évident. Regardez ici, oh, il se passe quelque chose. Oh, il y a eu contact. Contact avec une Alpine et une AlphaTauri. On va vouloir revoir la reprise, certes. C'est Lance Stroll et Yuki Tsunoda qui ont entré en contact avec le numéro 22. Oh, triste séquence ici. Drapeau jaune, mais aucune voiture de sécurité. Alors qu'on voit ici Lance Stroll qui change son aileron. Oh, que c'est triste. Il vit vraiment les pires séquences avec sa nouvelle écurie. Alors que, oh,
Au retour en piste, ça a passé proche d'être en contact avec Trace de Break, qui ne s'attendait pas du tout à voir Stroll revenir. Stroll qui est en 21e place derrière le Québécois de la Cornet Racing Team en ce début de 5e tour. Revenons justement de la reprise de la vue de l'aileron arrière de Liam Lawson qui, oh mon Dieu, il s'est complètement loupé et Lance Stroll n'a pas été prévoyant. Hein, et encore une fois, il est entré en contact avec, oh légèrement, juste assez pour briser l'aileron. Et à Monaco, tu ne veux pas piloter sans aileron. Alors que Yuki Tsunoda s'est fait frapper sur le côté de la voiture. Par chance, aucun dégât sur l'aileron. Donc il va pouvoir continuer la course. Pendant ce temps-là, au 7e tour, Trace de Break qui attaque enfin Felipe Drugovich et la voiture Haas. Il y va de l'intérieur lors de la chicane. C'est extrêmement serré. Il y a eu un léger contact, mais rien de grave. Et c'est fait. Le pilote propriétaire de la Cordes Team vient de gagner une position. Il n'est pas impossible de dépasser ici à Monaco. Et quelqu'un qui ne devrait pas réaliser de dépassement, c'est Pierre Gasly qui semble avoir la victoire facilement. Et au 9e tour, oh non, non! Il frappe le mur de plein fouet et c'est la fin pour les pilotes français. Oh! Quel drame pour Mercedes alors que la voiture de sécurité est enfin déployée. Lando Norris est dorénavant le leader, lui qui est en tête du Grand Prix de Monaco avec Oscar Piastri. Donc un doublé McLaren serait envisagé. Oh, quel revirement de situation! Et que dire de George Russell qui passe tout juste devant son coéquipier qui a frappé le mur de plein fouet. Il se retrouve en 4e place derrière Charles Leclerc qui est devant sur le podium à la maison. Alors qu'on voit ici Oscar Piastri et Lando Norris qui s'arrête au puits. Évidemment avec la voiture de sécurité on en profite pour changer des gommes tendres pour des gommes médiums. George Russell également qui fait de même et qui va dépasser Oscar Piastri. Kevin Magnussen en est un autre qui va pour des gommes médiums. Tatiana Calderon aussi. Hein, à la fin de ce 9e tour. Et Nico Hülkenberg et Zuguanyu, surprise, ne s'arrêtent pas au puits, eux qui sont en gomme médium. Donc, est-ce que leur stratégie va porter fruit? Et j'en doute fort bien que la voiture de sécurité est déployée. Trace de Break, surprise, qui est en gomme dure, décide de s'arrêter et il opte pour une stratégie avec des gommes médium. Il veut évidemment attaquer lorsque le drapeau vert sera déployé prochainement. On voit justement la voiture sécurité avec Lando Norris comme leader de ce Grand Prix de Monaco. Charles Leclerc est deuxième devant George Russell. Piastri complète en 4e place avec Hülkenberg qui surprend en 5e place. Mais il ne s'est toujours pas arrêté, tout comme son coéquipier Zuguanyu en 7e position. Donc on peut s'attendre à voir un ralentissement à l'arrière. On voit ici Oscar Piastri qui a perdu 2 places suite au double arrêt au puits avec son coéquipier. Et évidemment, Hülkenberg qui ne s'est toujours pas arrêté. C'est une grave erreur en mon sens. Mais bon, hein, c'est une décision d'Alfa Romeo de faire différent pour espérer un résultat différent. Carlos Sainz est le dernier pilote qui marque des points en ce moment avec la voiture de sécurité. Et là ici, Trace de Break qui est très loin à 13 secondes de Sargent de la Williams. Il va devoir faire vite s'il veut rattraper le reste de la troupe, le reste de la grille avant que le drapeau vert soit dévoilé. On voit ici Charles Leclerc qui est tout à fait heureux en gomme médium à la maison devant famille et amis en 2e position derrière Lando Norris. Il aura donc la chance de dépasser le jeune pilote britannique de la McLaren. Et le drapeau vert est en vue à la fin du 11e tour, début du 12e tour. La voiture de sécurité qui rentre dans les puits et Lando Norris qui va établir le rythme. Et c'est parti, on accélère, le drapeau vert va être affiché à l'instant même. Oui, c'est fait et on repart pour ce Grand Prix de Monaco. Et regardez ici, Zuguanyu qui décide de s'arrêter alors que le drapeau vert est en marche. On a même un problème avec le pneu avant gauche. Bref, erreur stratégique de la part d'Alfa Romeo. Alors que Trace de Break a réussi à rejoindre le reste de la grille, il se retrouve tout juste derrière la Williams de Logan Sargeant. Wow! Il a fait très vite pour revenir dans la course. Et qui sait, pourra-t-il réaliser une remontée spectaculaire suite à sa crevaison au premier tour. Et il y va déjà d'un dépassement. Oh, léger contact avec Stroll. Oui, il y a eu un léger contact, mais il a quand même réussi le dépassement sur la Williams. Trace de Break qui débute sa remontée très rapidement dès le début de la course, du retour en course. Magnifique séquence. On va revoir la reprise prochainement. Et regardez ici, Trace de Break qui se lance à l'intérieur de Lance Stroll. Wow, quel dépassement! Il est dorénavant 17e derrière Drugovich. Oh, Trace de Break qui met toute la gomme pour remonter le peloton et potentiellement essayer de se retrouver dans le top 10 et marquer des points. On revoit justement la reprise de ce dépassement. On voit déjà en bas à gauche qu'il y a un peu de dégâts sur l'aileron avant. Et regardez ici encore plus. Donc Trace de Break qui a brisé l'aileron avant de sa voiture de façon minime. Mais quand même, ce sont des incidents qui vont coûter des montants d'argent à l'écurie Cornet Racing Team.
contrôle qui ne pouvait rien faire de la situation. On revient au début du 13e tour. Felipe Drugović qui se fait attaquer par l'extérieur par Trace de Brake. C'est bien fait. Le pilote québécois qui dépasse le Brésilien et qui se retrouve maintenant en 16e place derrière sa coéquipière Tatiana Calderon, la Colombienne, qui est en 15e position. Et suite au tunnel, un autre dépassement signé, le numéro 69 de la CRT. C'est fait, c'était chaudement disputé. Tatiana Calderon qui n'a pas semblé vouloir rendre ça facile à son coéquipier. Mais bon, c'est fait. Et on est au 14e tour. Nick De Vries est le prochain pilote devant Trace de Brake. Et encore une fois, il tente à l'intérieur. C'est très chaud également avec l'Aston Martin. Il est sur le vibreur. Extrêmement serré. Oh, il y a eu contact. Et encore une fois, il y a contact. On voit un morceau d'aileron. Cette fois-ci, ce n'est pas un aileron de Trace de Brake. Ce n'est pas une CRT. C'est Nick De Vries et son AlphaTauri qui a reçu des dégâts. Malheureusement, il va devoir s'arrêter au plus prochainement. Alors qu'on voit Hülkenberg en 5e position qui cause un train monstre. Il est déjà à 8 secondes de Oscar Piastri. Alors, il va devoir s'arrêter prochainement. Nick De Vries, évidemment, s'arrête pour changer son aileron avant endommagé suite au contact avec le Québécois. Trace de Brake, c'était inévitable. On revoit justement la reprise vidéo. C'était extrêmement serré. Pourtant, il a bien fait. Mais oh, contact roue contre roue. Et après ça, un coup d'accélération de trop. Et ça cause l'incident et le dégât sur sa voiture. Ici, la vue de Trace de Brake était extrêmement agressive, même trop. Mais il a tenté de donner l'espace justement à Nick De Vries. Et ce n'était pas suffisant. Et par la suite, le contact, comme j'ai dit précédemment, il était inévitable. Quant à Lando Norris, eh bien, il est presque à 2 secondes de Charles Leclerc. Il s'en va vers une victoire facile ici sur le circuit de Monte Carlo à Monaco. Quant à Trace de Brake, 15e tour, il est maintenant tout près de Théo Pourchaire, il attaque par l'extérieur comme il avait fait avec Drugović et c'est un dépassement réalisé. Incroyable performance en ce moment du pilote québécois qui est en train de remonter la piste complètement. Il est pour la 12e position, il attaque par l'intérieur Alexander Albon et c'est fait, Albon qui coupe légèrement le virage. Waouh, c'est réussi, Trace de Brake qui s'approche rapidement des autres et tout ça grâce à Nico Hülkenberg qui ne s'est toujours pas arrêté au puits et qui ralentit les Esteban Ocon, les Sergio Perez, les Kevin Magnussen, les Carlos Sainz et les Max Verstappen tout juste derrière lui. 16e tour et ça continue, Yuki Tsunoda et Max Verstappen qui subissent la rage de Trace de Brake qui réussit un magnifique double dépassement. Et puis, il tente sa chance sur Carlos Sainz. Waouh, est-ce que ça va être un triple dépassement? Non, ce n'est pas réussi. Mais quand même, quand on dit qu'à Monaco, c'est difficile de dépasser et qu'on voit un pilote réaliser un double dépassement, c'est assez spectaculaire. Merci. Max Verstappen également qui défend face à Yuki Tsunoda. Waouh, Trace de Brake qui est dans la 10e position. S'il est dans les points, il marque en ce moment un point important. Wow, il est tout près de la Ferrari de Carlos Sainz. C'est assez incroyable. Quel revirement de situation grâce à la voiture de sécurité. Finalement, à la fin du 16e tour, Nico Hülkenberg et son Alfa Romeo décident de s'arrêter. Une mauvaise stratégie, encore une fois. Il va changer ses gommes de pneus. Pendant qu'Esteban Ocon maintenant se retrouve dans le top 5. Magnifique performance de l'Alpine et du pilote français. Trace de Brake prend donc la 9e place et Max Verstappen se retrouve dans le top 10, marquant des points. 17e tour, on y va d'une offensive pour Trace de Brake à l'intérieur, juste avant l'épingle en fait. Et c'est bien fait ce coup-ci, aucun contact, très très legit, hein? très fair and square. Trace de Brake qui prend la 8e position, il peut être très fier de sa remontée. Et justement, il continue au 19e tour, il attaque cette fois-ci l'Aston Martin de Kevin Magnussen par l'intérieur lors de cette chicane. Et c'est fait, oh c'était extrêmement limite, mais il prend la 7e position. Incroyable, le pilote qui était parti en fond de grille, qui a eu une crevaison et qui finalement se retrouve dans les points. Et soudainement, la pluie commence à arriver. Une fine pluie est visible sur la surface, sur la piste. Est-ce que les pilotes vont devoir s'arrêter pour des intermédiaires? Bonne question. Ce qui est certain, c'est que Trace de Brake a beaucoup de difficultés lorsque la piste est humide. Est-ce qu'il va être en mesure d'y parvenir? Lando Norris, quant à lui, est bien loin devant et devrait, advenant une situation, remporter la course. On glisse ici au 23e tour. Ouf, ça a passé proche d'être la catastrophe pour le numéro 69 de la Cornell Racing Team. Par chance, il a su maîtriser sa voiture et éviter les murs. Parce qu'on sait qu'à Monaco, un circuit urbain aussi serré hein, que ça, eh bien, une erreur peut causer le drame. Alors qu'on voit que la pluie s'est intensifié et accentué. Et encore une fois, virage coupé, un avertissement pour Trace de Brake qui a de la difficulté avec ses gommes médiums qui sont particulièrement
usé. Hein, il a attaqué énormément depuis le retour sur la piste, depuis le drapeau vert. Donc, Traz de Brake qui glisse. Regardez encore une fois, il frôle le mur. Ouf. Et on drift à Monaco. Et là 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 là, que c'est dangereux pour les pilotes québécois. Il pourrait complètement détruire tous ses efforts pour aller marquer des points. Hein. En ce moment, je pense qu'il ne peut qu'espérer qu'une 7e position. Il est trop loin de la Red Bull et il est en position de défendre contre Kevin Magnussen. Mais à chaque fois, il glisse. Il a beaucoup de difficultés à maintenir sa voiture. Regardez ici, il frappe le mur avec son pneu avant droit et arrière droit. Oh, il y a sûrement des dégâts sur sa voiture. Donc, les chances de dépasser Perez sont pratiquement nulles. Et est-ce que Kevin Magnussen sera en mesure de dépasser le pilote québécois qui n'arrête pas de glisser? Et le réglage n'est vraiment pas optimal, et ou du moins ses aptitudes également en pilotage lorsqu'il pleut, lorsqu'on a besoin d'avoir meilleure adhérence, et bien c'est plus difficile. Est-ce que sécuriser la 7e place va être possible pour le pilote québécois de la Cornish Team? Eh bien, on est au 27e tour. C'est le dernier tour de ce Grand Prix de Monaco. Et justement, on voit Lando Norris qui aisément va traverser la ligne d'arrivée devant nul autre que le favori local, le Monégasque Charles Leclerc de la Scuderia Ferrari, qui est deuxième devant famille et amis. Félicitations, Charles, pour cette magnifique performance. Quant à Traz de Brake, il est attaqué de tout près Kevin Magnussen et Carlos Sainz qui sont juste derrière. Est-ce qu'il va être en mesure de résister, de défendre adéquatement face aux pilotes qui sont derrière lui? Oui, on s'enligne vers une 7e position pour le pilote propriétaire de la Cornell Racing Team. Et voilà, il va traverser la ligne d'arrivée, il voit le drapeau à Damier et c'est fait. Donc magnifique performance du Québécois qui a su remonter la pente. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner pour continuer à suivre les périples de Traz de Brake, qui est le pilote du jour aujourd'hui. Incroyable course ici à Monaco. Et voilà, Lando Norris est notre champion. Il récolte 25 points grâce à cette victoire devant Charles Leclerc et George Russell. Oscar Piastri et Esteban Ocon complètent le top 5 alors que Perez est 6e. Traz de Brake qui avait commencé en 22e position malgré deux arrêts termine 7e. Kevin Magnussen qui a commencé en 10e place marque des points. 4 points en 8e place. Carlos Sainz qui était 12e marque 2 points. Et Verstappen qui est perdant, lui qui avait démarré en 7e position, marque un seul point. Tatiana Calderon, elle, réalise quand même une belle progression. Elle qui a démarré en 19e place, termine 14e. Théo Pourchaire, pardonnez-moi, avait débuté 9e et il termine 13e. Donc, triste performance pour ce pilote, le pilote d'Aston Martin. Finalement, Pierre Gasly et Liam Lawson sont les deux seuls pilotes à malheureusement avoir abandonné. Et d'ailleurs, Pierre Gasly avait inscrit le tour le plus rapide, mais n'étant pas dans le top 10, il ne marque pas le point supplémentaire. Traz de Brake est toujours notre leader au classement pilote, devant cette fois-ci George Russell qui est à 27 points. Lando Norris, remportant le Grand Prix, est à 38 points derrière le pilote québécois qui prend vraiment une avance malgré une 7e position aujourd'hui sur le circuit de Monte Carlo. Alors que vous voyez justement les statistiques, Cornell Racing Team tombe maintenant 4e au classement constructeur alors que McLaren devance Red Bull et Mercedes par un seul point. Donc il n'y a que 4 points d'écart entre la P1 et la P4 au constructeur et Ferrari qui est à 14 points en 5e position. Quant aux informations et faits, deuxième victoire en carrière pour Lando Norris. La première était en France l'année passée. Hein, donc, il peut être très fier d'avoir remporté ce prestigieux Grand Prix de Monaco. Également, Pierre Gasly ne concrétise pas encore une pole position. Un abandon décevant pour le pilote français de l'écurie Mercedes. Quant à Charles Leclerc, terminé deuxième à domicile, eh bien, c'est un beau podium devant famille et ses amis. Également, Traz de Brake réalise toute une remontée malgré une crevaison au premier tour. Son départ en 22e place se concrétise avec une 7e place. Et Théo Pourchaire et Philippe Dugrovic qui causent le chaos dès le premier tour. Les deux brisent leur aileron avant et ça va changer la suite de la course pour plusieurs pilotes. McLaren et Pat avec Lando Norris et Piastri, 34 points au classement constructeur, ça les place en première position. Sur ce, merci d'avoir été des nôtres, c'était votre animateur Cornet qui vous invite à ne pas manquer le prochain épisode et un autre Grand Prix urbain, celui de Singapour. Si tu apprécies le contenu, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur le pouce bleu et pourquoi pas de laisser un commentaire. Sur ce, ciao les Cornets!